بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout grand d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à nous, wa dhakir, fais rappel, فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Parce que rappel, les profite ban qui est l'Iman. Nous connaît, veut dire, quelque chose qui nous peut dire là. Mais parfois, nous, on donne reflète, parfois, nous pas prendre conscience de ban réalité qui nous désaconnaît, nous oublier les. Peut-être nous fatigue nous la tête et que ban les autres quelque chose, nous peut oublier le fondamental dans la vie de musulman. Aujourd'hui, dans la vie de tout musulman, nous préoccuper avec quoi? Mais comment nous pouvons joindre les deux bouts? Comment nous pouvons joindre les deux bouts? Enfin, dis-moi, surtout si vous avez une famille, vous avez une madame, vous avez des enfants, vous avez une dépense, vous avez un loyer, électricité, de l'eau, téléphone, dépense loto, l'éducation aux enfants, médicaments. On a une maman pour guetter une quantité de dépenses qui nous, insan, vraiment les stressant ça. Pour un insan, les stressant. Parce que insan, les, veut dire, les bases de mathématiques. Insan, le monde matériel, tout qui sort, l'irrationnel. Veut dire que toute sa dépense-là, il vaut 30 000 euros la fin du mois. Il vaut 40 000 roupies la fin du mois. Avec Mobidze, la fin du mois, je gagne 25 000 roupies. Mais écoute, je gagne ça 5 000 roupies additionnelles. Il crée un stress parce que je n'ai pas une solution à cela, matériellement parlant. Je gagne 25 000, je dépense 5 000 encore, 30 000. Écoute, je gagne ça 5 000 là. Là, nous, en tant qu'insan, nous pouvons causer toujours là. Nous pas encore dire en tant que mu'min. En tant que croyant, nous pouvons en tant qu'insan, définitivement, nous, il y a un problème. Écoute ça, ça gap, ça manquement, pour arrondir ça à la fin du mois. Là, nous gagnons tracas, nous stressés, nous pas gagnons sommeil, nous commençons les corps crasés, nous commençons malades, nous commençons fainéer, nous fait caractère, nous n'y dans la case quand nous causons avec madame, madame n'y avait quand nous causons avec monsieur. Pas n'y à cause du mauvais là. Parce qu'il y a un tracas qui est dans le coin de sur l'esprit, de sur la tête, qui s'appelle bouleversé. Causer avec les enfants, avec salaire, les enfants aussi, comment se répondre. Une histoire qui est un quotidien dans la vie de la plupart du monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala finit une petite chose qui tout à fait le contraire du Coran, de Surah An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner garantie une petite chose. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Celui qui ne fait ban bonnes œuvres, ban bonnes actions, et qu'il soit un missionnaire, madame, mais à condition il a iman, un croyant qui fait ban bonnes actions, ban bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَنُحْيِيَنَّهُ sans doute nous pouvons donner une la vie حَيَاتًا طَيِّبًا une la vie, une bonne la vie.
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nous pourrons récompenser pour une chose qui est plus meilleure que ce qu'il est venu faire. Alors, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut garantir une la vie, une jolie la vie, une bonne la vie pour celui qui fait une bonne œuvre. Alors, ici, nous avons une réalité que l'argent, veut dire, c'est la base de toute chose, l'odunia. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut cause Al-amal al-salih, les bonnes œuvres. Alors, c'est ça, décision-là, que nous, en tant qu'insan, nous devons faire, nous supposons finir faire dans la vie. Nous fonctionnons, nous vivons en tant qu'un humain, ou bien nous vivons en tant qu'un croyant. Qui nous vivons? En tant qu'un humain, en tant qu'un croyant. Croyant, il y a un humain, mais c'est un plus. Il y a un humain avec iman. Un insan, il y a un insan. Par contre, un croyant, il y a un insan plus iman. Qui nous décide? Parce que nous devons faire une correction dans nos raisonnements, si nous avons envie, veut dire mettre en pratique sa verset Coran. Que Allah subhanahu wa ta'ala peut garantir nous une vie, une jolie la vie sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Sans sa perception, frère. Parce que ça même causé du jour, non? L'essence peut monter. Prix peut monter. Ou tu habites 2000 roupies par semaine, ou au bazar, ou au supermarché, ou vini, reste 100 roupies. Aujourd'hui, 2000 roupies ou au bazar, dans une semaine, la moitié tente pas encore plein. C'est ça préoccupation tout du monde. L'argent, il n'y a de mal là-dedans. Mais seulement, nous, en tant que croyants, qui nous besoin, nous, musulmans, nous besoin vivre avec iman, pas vivre seulement comme un insan ordinaire, nous besoin mettre quelque chose dans la tête en premier. C'est que ce n'est pas l'argent qui amène bonheur. Ce n'est pas l'argent qui amène succès. Ce n'est pas l'argent qui égale, veut dire, facilité, solution. L'argent, il y a un moyen, mais ce n'est pas la solution qui est dans l'esprit, dans l'esprit du monde. Qui fait? Si vraiment l'argent, c'est la source de toute solution, là, combien d'exemples il y a dans le Coran? Combien d'exemples il y a devant nous là? C'est un démon, quand on dit « moins l'argent », ça veut dire « tout quelque chose, ok, c'est ça même succès dans la vie ». Mais beaucoup de milliardaires, beaucoup de milliardaires, je te paye, elles trouvent recours dans quelles affaires? Dans la drogue, je te gagne tranquillité l'esprit. Je te paye dans la drogue pour je te gagne tranquillité l'esprit. Vous avez besoin de boire pour oublier votre problème. Ce n'est pas un monde qui sommeille, hein? Milliardaire. Qui ne comprend pas ça? C'est que ce n'est pas l'argent qui amène bonheur, qui amène tranquillité. Ce n'est pas l'argent qui amène tranquillité. L'argent, il y a l'importance dans la vie de musulman. Mais il ne faudrait pas nous faire ça équation qui n'est pas bon là. L'argent n'est pas égal nécessairement succès dans la dunya. Pas nécessaire. Mais l'argent dans la main croyant, oui. L'argent dans la main croyant. Pour ça, nous savons, c'est là qu'il trouve dans le surat al-Nahl, veut dire, wahuwa mu'min. Il faudrait les croyants. Quand un djimoun, veut dire, il n'est pas croyant, l'argent jamais tient source d'une solution dans la vie. Sinon, tout ban, comment vous appelez, ban people, ban célébrité, tout est pour tranquille. Là, aujourd'hui, il y a veut dire, caisse la coupe est déroulée. Entre les milliardaires, monsieur, madame, ça n'est pas coquin, ça n'est pas service, ça n'est pas connu. Mais quand vous avez la vie, quand vous étudiez les bons qui obtiennent les leçons là-dedans, vous trouvez de peine, rahat, peine tranquillité, peine non. Et pourtant, vous avez tout matériel. Vous avez l'île pour vous. Vous avez l'île où? Vous faites un locataire. Mais il y a une île tout pour lui. Il y a un avion, il y a un jet privé, il y a un esclave. Tout ça qui vous pensez. Mais peine solution là-dedans. Pas trop solution. Mais de l'autre côté, l'argent dans la main croyant, oui. Parce que nous avons l'exemple de Benjamin qui, Allah fait donner richesse, mais seulement, il n'a pas fait un iman. L'exemple de Coran, l'exemple de, beaucoup d'exemples, Allah fait donner. Pharaon, Qaroun, inna Qaroun, kana min qawmi Moussa. Qaroun, c'était un, dans veut dire, le peuple de Moussa, alayhi salam. Et sa richesse, c'est tellement extraordinaire que Allah subhanahu wa ta'ala fin fait une
pour nous comprendre, pas explique nous qui consiste au ressources, parce qu'il n'y a pas qu'à expliquer. Il donne nous l'idée, sur la clé. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Qui bise ban dimun ban zomfo pour soyer sur la clé. Mais comment la clé ça? Des centaines, des milliers? Pour qui ça soyer? Mais si n'a pas milliers la clé, combien coffre faut il ça? Qarun, mais seulement qui se lance en profite lui. Il pas gagne rien, il pas gagne aucun succès à la fin. À la fin comment il termine? Allah subhanahu wa ta'ala qui fin fait ali? Quand la richesse pas associée avec iman, qui n'arrive lui? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah fin prend lui avec ce château et fin ouvert la terre, fin mettit dans la terre et engloutit lui. Écoute ça. Dans l'Égypte, dans les parages, tout ça va excavation peut faire là. On trouvait, puis non, Allah fin anéanti l'inet, englouti l'inet. Pourtant, il tient à l'argent, avec ce trésor, avec ce richesse, c'est infini. Alors, qui nous comprend que l'argent pas symbolise la réussite nécessairement, mais l'argent dans la main d'un croyant. Nous l'exemple qui était. Nous l'exemple c'est Suleyman alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'exemple de Suleyman alayhi salam. Comment de tafsir quand la délégation de la reine de Saba fin vin côte Suleyman alayhi salam. Alors donc quand il vini, quand nous voulions tafsir, ben il vini avec veut dire pour inni fanadhiratun bima yarji' al mursalun wa inni mursilun ilayhim bi hadiya. La reine dit à la reine de Saba, tiens mon poudonni, veut dire la richesse cadeau. Imaginez la reine de Saba, un grand royaume ça dans Yémen. C'était un grand royaume. Alors il veut dire que moi pour tester Suleyman, parce que innal mulouk moi qu'on envie qu'on seule intention. Est-ce qu'il peut envie juste accaparer? Innal mulouk ida dakhalu qaryatan afsaduha. Quand ben, les rois veut dire gagne contrôle loin de l'endroit, zut dilapide ça l'endroit, zut finit l'inet. Je accapare tout pour eux. Waj'alu adillata ahliha a'izzata ahliha adilla. Je fais tout ban noble dans cet endroit là vienne comme esclave. Mais mon envie était qu'il ait l'intention de Suleyman alayhi salam. Wa inni mursilatun bihadiya ilayhim bihadiya, mon envoi cadeau, diamant, l'eau, tout ce qu'il dit quelque chose. Nous qu'il écoute qu'il fait. Mais seulement falamma ja'a Suleyman, quand l'inal délégation, caravane, et tout ça risque, sinon, à cause de Suleyman, qu'il a tout mis doux dans l'ibimal, je peux devenir braillement avec Maël, avec l'argent, je peux devenir influencement avec la richesse. Allah subhanahu wa ta'ala, ça qui finit de moi, khayr, veut dire qui, ça qui Allah finit de moi, meilleur qui ça. Dans le tafsir, veut dire, depuis, sur l'entrée en l'eau, sur l'entrée même en l'eau, ce château, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun château qui est aussi moderne que le château de Suleyman, alayhi salam. Il y a dal en bas, il y a sali en bas, il y a mob en bas. Il y a un château, parce qu'on est ce hall qui grandit été, il y a un dal transparent. Ce qu'a la reine, c'est quoi de l'eau. Mais dire qui? Fashakashafat ansa kayha. Il dit quoi? La meilleure, ça, il dit quoi de l'eau? Il y a un sorh mumarradou min qawarir. Alors donc, c'était ça Suleyman. Les demande Allah subhanahu wa ta'ala la richesse, mais c'est moi qui l'ai dit. Mu'min. Rabbi habli mulka la yambaghi li ahad min ba'di. Ou Allah, donne-moi un royaume qui après moi, personne ne paye sa qualité là. Donc, le croyant quand il a l'argent de Solamé, le veut dire, c'est lui qui n'est pas croyant quand il a l'argent. Ça veut dire, ce n'est pas l'argent là qui amène succès. C'est iman qui amène succès. Iman qui amène la réussite. Parce que comme Allah subhanahu wa ta'ala fin dire. Alors donc, nous musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, pas fin faire tout égal. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui faveur dans sa façon là. Et là, Allah fin donne lui faveur dans l'autre façon. Tout le monde allait faire faveur lui. Saint Dimon il dit non, Allah pas faire faveur lui moi. Non, il dépend qui vous peut dire pour faveur. Il y en a beaucoup qui me disent non, Allah fait faveur à l'eau. Tout le temps, nous réglons-nous d'après matériel. Nous avons sans ce mindset-là. Non, Allah fait beaucoup faveur à l'eau. Au final, on n'y peut cause l'argent là.
pas ça qui est nécessairement faveur. Comprends bien. Faveur, l'est approprié à chacun de sa façon. Aller faire faveur au toit, te délamer, bon, c'est un faveur là, ça suffit comme un faveur là. Parce qu'il y en a beaucoup, des gens qui sont améliorés, ils sont paralysés, lui. C'est un faveur là. Toi, faveur là, le toit, oui, tu peux même un savate, mais c'est mal, tu l'esprit bon. Lui, puis si les rois, ils sont fous. Ouais. Toi, tu as la santé, lui, tu as la santé. Toi, lui, il y en a Sato, il peut avoir des enfants. Toi, tu peux travailler aujourd'hui pour aujourd'hui. Tu en as 4 garçons, tu en as 3 filles, tu en as des enfants. La joie devant toi, la porte, ben, nous avons besoin. Alors donc, nous avons besoin que ça veut dire ça, ça les choses qui nous rentrent dans nous, l'esprit là, tout à fait, nous résonne pas matériel. Non. Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur à tout le monde. Chacun de sa façon, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'ouli. À 6 ans, réfléchis. Si nous assisons, nous essayons réfléchir qui faveur ou pas, si moi faut dire assiser ou réfléchir ou guetter comme faveur fait l'eau nous. Faveur c'est pas seulement pour donner, pas aussi il faut un pas aussi d'un faveur qui ou tu carrément fait un accident là ou même ou pas connu ou tu fais accident là. Parce qu'il y en a beaucoup faveur qui l'eau là instantanément là ou pas réfléchir ou tu capable la posséder par Satan, l'un protège ou. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met un gardien avec vous. Hum mu'aqibat min bayni yadihim wa min khalfihim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en a 4, nous en a 2. Nous protéger, nous pas connait qui faveur qui Allah fait l'eau. Là nous dans mazit, c'est capable arriver danser dans nous la case. Quand dit vous rentrer dans nous la case après Allah fait les sans solider. Nous pas connait. Dans toute façon en a faveur Allah l'eau. Nous besoin comme ça qui nous besoin penser le Allah, nous pas lamenter, nous pas faire comment beaucoup de monde fait, nous assiser, nous lamenter, nous crier. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قد دوني الله صلى قد دوني لي بلاي tout ça namaz mo fiela tout ça mo fiela tout ça mo fiela l'oublier moi Allah non faudrait pas nous faire ça ça veut dire nous assiser nous pour trouver qui quantité cadeau Allah de nous. De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est moi, il y a plus qu'appel la richesse, l'argent. Dhalika fadlullahi utihi man yasha. Ça, c'est faveur Allah, il donne ça qu'il a envie. Là aussi, Allah n'a pas fait li pour n'en yeli. L'argent, c'est un faveur Allah, ça. Allah n'a pas donné tout pareil. Il donne certains beaucoup, certains peu, et il n'a pas gagné. Allah, il connaît li comment il partage ce faveur. On connaît lui. Parfois, ça en a besoin 10. Si donner 9, il n'est pas pour bon pour lui. Parfois, ça en a besoin 2. Si donner 10, pas pour bon pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut partager d'après ce sagesse, ce perfection. Combien de monde, parce qu'il y a l'argent, quand il y a l'argent, il arrive à faire namaz. Vive lui, ou connaît où. Combien de petits sommets, il y a un petit peu de nazan. Depuis qu'il y a un travail, pas nazan, namaz, il n'arrive à faire. Combien qui t'y misère, les tiens pays, travers, quand on commence à travailler, alhamdoulilah, autre lit, 5 fois namaz. Tout ça fait sans ça. Allah, il connaît qui il fait. Lui. Nous besoin qu'on vive avec Allah. Nous besoin qu'on régler nous avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais définitivement, l'argent, c'est une faveur. Parce que, dans l'époque Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ben sahaba aussi, tu comptes l'argent. Tout le monde compte l'argent. Tout le monde bise compte, tout croyant bise compte l'argent. Mais seulement raison nous compte l'argent, il n'est pas pareil. Le croyant, il compte l'argent pour une raison évidente. Par contre, un jahil, il compte l'argent pour une autre raison. Quand vous dites un jahil, tu comptes 10 millions. Oui, 10 millions, on va le faire tout le monde, mal ça, mal danser, mal madame danser, mal faire ça. Pour lui, ça, raison, l'argent est différent. Un croyant qui fait compte l'argent. Mais il peut le faire hajj, il va faire umrah. Les pour mettre son maman umra, les pour donner sadaqa, les pour faire une madrasa, les pour financer les affaires d'awa, les pour faire ça. Tout qui sont ibadat. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ban sahaba t'y content l'argent. Je t'y fais des efforts pour gagner l'argent. Je t'y fais des efforts pour gagner l'argent. Pas ça, c'est ça. Tu fais des efforts pour gagner l'argent. C'est quand même maintenant, tu fais des efforts, tu as le travail, tu misères, saute ma ca misère, apporte un linge déchiré, l'eau lui passe un an et ensuite. Quand il retournait, après quelques temps, Rasulullah s'est trouvé, l'aise, paraît comment dire, prince, qui n'arrive pas, on a le travail.
Il dit ce qu'il dit avec son camarade, d'où l'année à la souk. Il dit, mais quand tu passes au lait, écoute. Dans le travail, il y a beaucoup d'argent. C'est pour ça que, ben, sahaba, quand il vient contre Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, ya Rasulullah, dhahab al-duthur bil-ujur. Ben, risque prend tout sawab. Ben, risque prend tout sawab. Mais Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, ben, comment ça? Il dit, ben, yusalloun, comment nous sallons? Les autres font namaz, nous aussi, comme nous aussi, nous faisons namaz. Et yasoumouna, comment nous soum? Les autres gâtent rosa, nous aussi, nous gâtent rosa. Mais c'est ma yatasaddaqoun. Ils ont donné sadaqa avec la richesse qu'ils ont donné, qui Allah nous donne. Nous pas grave, nous. Ça veut dire, l'objectif, c'est que, oui, favez Allah ça. Rasulullah s'a fait donner un tasbih pour faire. C'est lui qui fait ça. Zoukiyama, il pouvait n'écrire beaucoup de savoir qu'il n'est pas bon. Sauf si un djibou fait plus que ça. Ban qui est en alazan, vous n'êtes pas assis comme ça, vous êtes. Écoutez, qui vous êtes pécat à cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qui se peut raconter comme ça? Moi qui t'écoute, ben là aussi, entendez, à la problème, j'ai mon misère là, il peut faire ce zikar d'un côté, il trouve le bail qui est dans la casse aussi, il peut faire même pareil, il gore l'oli. Mais, get ça l'atmosphère, tout à fait spirituel. Mais, ya Rasulallah, je fais pareil. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ça, c'est faveur Allah. La richesse, c'est un cadeau Allah, ça. Yotihi men yasha, il donne ça qu'il a envie. Si moi, je n'ai pas gagné sa quantité là, parce qu'il connaît qui, Ziskale, nous pas connaît demain, nous cause jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire Ziskale, sa quantité là, qui est meilleure pour moi. Comprends ça, nous, nous raisonnons comme ça en tant que croyants. Si aujourd'hui, moi, j'ai 100 roupies dans mon porte-monnaie, je connais que des 100 roupies, pas bon pour moi. Ça même qui a l'un décrété pour moi, je suis content. Ça même qui est là pour moi. Ajabani amr al-mu'min. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raisonne comme ça. Satisfait ce qu'il m'a gagné. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Tout ça qui arrive à un croyant, il a du bien pour l'idée. D'une façon ou bien d'une autre façon. Inna sabathu sarra, shakar. Quand arrive un bon qui te saoule, il remercie Allah. Fakana dhalika khairul lah. Ça le meilleur pour lui. Wa inna sabathu darra. Quand arrive un malheur, sabar. Il prend patience. فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرُ اللَّهِ Ça aussi, il est bon. On prend patience. On connaît. Allah connaît qui fait l'une de moi, il sent. Allah connaît qui fait l'épanne de moi, sa travail là. Allah connaît l'épanne de moi, sa promotion là. Allah connaît qui fait l'épanne de moi, sa temps, l'argent qui m'a capable de gagner là. Alhamdulillah. Ou reste dans, veut dire, ou relation avec Allah, il reste propre. Parce que Allah n'est pas fait un an, il a peu près lui. C'est lui qui finit de gagner aussi. Allah soit en train de finir de donner pour une raison. Mais, quand on finit de dire ça, nous venons vers sa crainte qui nous est là. Comment nous pouvons vivre? Comment nous pouvons vivre si nous pénalons? Avec quand nous guettons le Coran, frères en islam et sœurs en islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu travailles, lui? Comment nous vivons? Comment madame est là, hein? C'est beaucoup madame, pour plus qu'ils disent, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment ils vivent? Comment ils mangent et boivent? C'est des manchandas, non? Comment ils vivent? Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que quelqu'un dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ben sahaba une mot de faim? Une mot, comment dire, une mot cause pas de manger, est-ce qu'il n'atteint ce qu'un mot? Pena dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala les nourrit jusqu'à où la grandirie en la grandirie. S'il manquait pour manger ça, ou dans Maurice, ou bien manger ça dans. Côte ça, hein? Côte ça, ou bien manger ça? Dans l'Ukraine, côté dans la guerre, là. Qui vous dit? Ou pas pour moi? Ou pas gagner droit, moi? Excepté, il faudrait ou le manger là-bas. On les a vivre ça, l'expérience. Moi, je vis avec un djimoun. Je vis avec un djimoun. Je connais ça, djimoun là. Allah fait raham l'ouli, Allah donne jannat. Qui y en a dans Yébéna? Il y en a un linge des trônes, un savate la peau, il y en a dans Yébéna, il vit locataire. Et quand il y en a mangé, il y en a mangé dans l'hôtel 5 étoiles au milieu de la mer. Bateau là, un hôtel 5 étoiles. Zis prince, président qui mange dans sa hôtel. Et subhanallah, ça dit mon là, iman.
avant de manger, il rappelle ce cadeau qu'il a donné. Il dit, Allah, il manque mon risque là. Il dit, moi, je suis savate avec mon linge de trône. Il amène-moi là-bas pour manger à manger là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nourrit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah nourrit lui à travers butin. Allah subhanahu wa ta'ala nourrit lui à travers butin. Les gains sont nourritis là-dedans. Allah nourrit lui comme ça même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-wisal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en paix gâteau rosa sans faire, veut dire iftar. Alim, faire sehri, pas faire iftar, continuer jusqu'à l'autre sehri, pas gagner droit ça. Mais pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit moi l'autre, parce qu'Allah nourrit moi. Allah nourrit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, frère en islam, ça traka qui nous gagne là, qui légitime en tant qu'un insan, en tant que croyant, non. Nous n'avons pas gagné droit, gagné traka dunia. Nous besoin faire des efforts pour nous dunia. Nous pas assiser. Nous pas assiser, nous crier, nous plaigner. Nous besoin faire des efforts. Mais c'est moi ça, ces efforts-là, mettre dans nous l'esprit, c'est un prétexte pour Allah, ça. C'est un prétexte, ça. L'envie nous fait des efforts. Fait des efforts. Mais seulement, ces efforts-là, ce n'est pas ça qui amène risque. Ces efforts-là, il y a un prétexte qui Allah dit, fait des efforts. Parce qu'Allah, yarzuku man yasha bi ghayri hisab. Allah, il nourrit, lui, sans ou faire des efforts, Allah nourrit. Mais seulement, Allah n'a pas d'envie pour nous, nous assiser. Bani Israël, fin assiser, nous manger. Ben Israël, il y a l'époque où il y a mangé assisé. Pas un cas comme ça. Ça, c'est un qui se commet ça. Dans Ben Israël, il y a un petit peu assisé, mangé, vini. Mariam, ya Mariam, anna laki hada. Oh Mariam, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as dit? Qalet, huwa min indillah. Allah n'a voyé là. Moussa, alayhi salam, avec Ben Yahoud, qu'est-ce que tu as dit? Donne-nous manger. Depuis le laisser, al-man wa salwa pandesan, nous richons donner. Combien comme ça finit Allah subhanahu wa ta'ala nourrit sans fénoy. Mais c'est pour nous, parce que nous avons une autre catégorie oumat, nous meilleurs oumat, nous. Allah subhanahu wa ta'ala content, c'est que nous venons une référence qui nous pas assisée, nous. Allah content, nous fait efforts, servir ça comme un moyen, un prétexte, Allah donne nous, parce qu'Allah envie de nous faire efforts. Mais seulement, ces efforts-là, ce n'est pas ça qui peut amener risque. Mais seulement, nous besoin faire efforts, risque, Allah lui donner. Quand il y a envie, comment il y a envie. Beaucoup d'exemples, il y en a comme ça. Parce que tout ça fait les régler avec sa iman. Yakin. Nous avons besoin de yakin, nous avons besoin de iman. Là. Combien de cas il y en a comme ça? Ben Israël, dans l'époque, Allah subhanahu wa ta'ala nourrit nous. Quand on a assisé, nous réfléchit, frères en islam, combien de faits, combien d'exemples il y en a comme ça? Côté maman, qu'on dit, qui les peines à casse, les d'un pays étranger. Et puis il y a l'argent, ce l'argent fini, et il n'y a pas pour y a l'argent là. C'est juste la fin du mois qu'il y a pour gagner l'argent, et puis il n'y a aucun contact. Il n'y a aucun contact. Il résiste, ce n'est pas 5 dollars, pounds, rial, nous pas pour cause d'eau là. Il résiste 5 de ce pouce. Comment il fait? Il y a une madame, il y a des enfants, il y a une chose. Ah ben, si vraiment l'argent qui équivaut, il faut donner l'argent pour un risque. Alors, qu'est-ce qui arrive ça, dit là? Il a dormi avec sa famille pour qu'il y lève avec l'intention pour l'y lever, pour faire l'ibadat Allah, salatou al-hasr. Namaz asr, quand il lève, il ouvre sur la porte, qui l'y trouve? Il trouve ration un mois devant sur la porte. Normal, l'insan qui donne ça, mais c'est moi. Qui fait l'insan n'a fait amène sa ration? Là, juste dans ce moment-là, qui fait? L'insan n'a pas connu lui. Ben, dit qui amène ration pour. Veut dire un mois là, il s'y connaît qui baille la peine à manger là. Il s'y connaît qui Michel a peine à nanier de ce poste. Il s'y connaît Michel a peine un tracas. Il y a Allah qui va pour faire Allah. Il n'est pas dans ça. Mais c'est moi, Allah connaît lui, Allah entendait dans les qui est Jimoun là, communication qui ça Jimoun fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne lui, parce qu'Allah est le Razzaq, Allah le nourrisseur. Nous n'avons pas le droit de gagner un tracas nous, parce qu'il nous risque infini. Décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah parfois tester nous. Parfois tester nous. Allah sur l'exemple, au-dessus de tout l'exemple, parfois nous aussi nous pas basé d'exemple. Il y a un gâteau dans mon poste. Le pena, mon aziz, un petit bonbon, il y a une grosse tablette de chocolat dans mon lit. Allah subhanahu wa ta'ala parfois, il teste ou un coup. Qui vous fait? Qui fait Allah tester ou? Parce qu'Allah, il compte en haut. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie de nous plus.
quand on finit tes six enfants avec un bonbon, parfois arriver s'il en collé à Oli, il y a tous pas qu'à être une zone où il va pas donner rien. Mais s'il prend lui, merci, mais ou pas content pour redonner lui. Nous, insan, nous réagir comme ça. Quand dit mon, on agit à Oli d'une façon où tu disais, ou en a 10 000 roupies pour donner, il donne la peine, on donne 100 roupies. Vous trouvez, 500 roupies, de comme ça, il gagne 200 roupies. Vous donnez encore? Pas vous donnez. Mais si ça dit mon là, dit Alhamdulillah, Jazakallah, la récompense ou, Inch'Allah, mon kabagain, un si bon zézo, dit. Mais on a envie de donner. Mais nous, insan, nous. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin. Allah n'a plus raham pour ce créature qui nous. Allah n'a plus raham pour qu'il y ait une maman vis-à-vis ce petit bébé qui lui perd l'été. Parole Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a Allah pour qu'il nous soit mangé? Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour qu'il nous soit mangé. Mais tous les règlements d'après, wa huwa mu'minun. Faudrait nous avoir sa iman d'Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah lui pour facilite nos rizqs. Wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu. C'est lui qui place sa confiance dans Allah, Allah suffit pour lui. Wa man yattaqillah, c'est lui qui n'a taqwa la ligresse de la limite, il n'est pas fier à l'encolère. Il n'est pas manque respect à Allah, il n'est pas pense mauvais à Allah, il n'est pas agir mal dans la désobéissance. Qui Allah peut dire? Wa man yattaqillah, Allah, wa man yattaqillah, yaj'al lahu makhraja. Allah tout le temps pour trouver un simé ouvert pour lui. Il peut trouver un simé pour ouvrir pour lui. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah pour nourrir lui. Les moments, façon qu'il n'y a pas à attendre pour trouver une nourriture vie. Il n'y a pas qu'un tracas. Ça, c'est une chose qui est importante pour nous partager, frère. Ça, c'est une expérience, un djimoun qui est proche, qui nous connaît, qui, dans la peine que tout djimoun peut plaindre, puis pour lui, sur la vie, il n'y a pas qu'on écoute pour mettre manger. Il n'y a pas qu'on écoute pour mettre manger. Il veut bien tirer manger, manger trop beaucoup dans la case, bien tirer aller. Donne ça là. Parce qu'il n'y a pas pour qu'on ait qui vous fait manger. Comment on explique ça? Et tout simplement, iman d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mettre iman d'Allah subhanahu wa ta'ala. Servir les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Un des moyens, faire aux efforts. Travail. Ouvrir au magasin bonheur. Mais c'est moi, ou n'y est-ce que saisir ce moyen ça. C'est un prétexte ça. Ouvrir au magasin bonheur, faire bismillah. Connaître que c'est un prétexte. Allah n'a pas besoin d'ouvrir au magasin pour gagner risque. Mais c'est ma prétexte, bien fait. Allah en vit ou fait. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui montre nous, comme ça qu'Allah a vos risques, il faudrait nous faire ça, ses efforts. Nous montrer ses efforts. Law kuntum tawakkaluna ala Allah, haqqa tawakkulihi, si vraiment nous sommes tawakkulu Allah, dépendance de Allah, comme a bizin, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Allah t'y pour nourrir pareil comme il nourrit un oiseau. Comment Allah nourrit un oiseau? Ou imagine un oiseau, il peut sortir le matin là. Il pas comment nous, insan, il pas qu'on écoute pas qu'un sourire. Il pas travail. Il peut na la banque. Il peut na un djimoun pour venir donner ration. Mais seulement, tous oiseaux qui ont retourné, ils retournent souvent plein. Ils retournent souvent plein, mais seulement, ils pas assis dans son nid. Ils ont volé, ils n'ont allé. Ils ont volé, ils n'ont allé. Une de bonnes réflexions qui. Peut-être encore imaginer quand il y a un vrai lockdown pendant des mois, peine pour sortir, pas qu'on écoute pour gagner manger, tout fermé. Mais ça va un chien errant là. Ça a une petite réflexion, non? Ça va un chien errant qui l'a aussi, mais là, combien il y a? Il y en a des centaines. Mais normalement, quand vous avez un risque, dans bin, vous mangez, gâté, l'hôtel, pas ici, pas là. Mais ni l'hôtel s'est ouvert, ni bin s'est déroulé, ni pas de rien. Comment on vit? On a tout le lycée et rentre une molle aussi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui prend responsabilité, nourrit son créature, il n'est pas un créé pour rien. Il est nourri. Alors donc, nous devons créer sa yakin là dans nous. Créer sa yakin là dans nous. Premier, faire nos efforts. Faire nos efforts. Pena, l'essence montée qui est capable, veut dire, prive-nous de nous, de nous hack l'odunia. Peine à l'essence montée qui peut affecter nous par l'eau d'Allah, si nous croyons. Peine à la vicière qui peut empêcher nous vivre. Nous pouvons manger pareil par l'eau d'Allah. Nous pas pour diminuer nous manger par l'eau d'Allah, si nous attachons nous la vie avec iman. Tout ça qui nous fait, servir nos moyens, les mouvements. Mais c'est moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne certaines choses additionnelles.
pour qui barakat la vient facile, mais c'est moi combien de monde fait ali, combien de monde fait ali. Nous pas connaît même Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam donne nous moyen pour qui nous risque de vient facile, nous laver de vient facile, mais c'est moi de monde pas connaît. Ça dit rakat fajr hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah peut dire celui qui finit faire rakatain, deux rakat le matin pendant que l'ulama dit salat al fajr. Alors, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit, me prend ce sage, sa zoula. Un ministre vient à haut comme ça, dit, oh, pas qu'un tracam, me prend ce sage, deux enfants. Vous sentez où? Gagne confiance, non? Pourtant, il sent ça. Avant, il prend au sage, il sort, il attaque les mots en place. Là. Mais ça, pas ministre, ça. Ça, pas ça, ben, motel là, ça, c'est Allah peut dire, me prend ce sage. Tcha, bye. C'est un tel, me prend ce sage. Qui s'en a, puis qu'aux hommes là? Allah peut dire, je prends deux choses. Mais qui nous a fait? Mais attache-nous avec sa ibadat. Pas rat salat al-fajr. Fais des rakat avec sa yaqin. Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, c'est même nos problèmes. Nous pratiquons sans yaqin. Beaucoup de gens, ils mettent un kisseur de sur la tête. Ils n'ont pas de yaqin. Par exemple, un gens vini. Les mentions à Dieu, ils pensaient à Dieu. Les vins qu'on tient by, j'ai by là mon gars, mon commun gagne Dieu. By là, ingéti, non, pas de problème. Vous connaissez qui vous fait? Eh ben, après chaque salat, lire tel coursi, lire, qu'ul wallahu ahad, inshallah la protège. Ils sont aussi pendaco, ils pas satisfait. Qui t'y besoin fait Oli? Ils n'ont qu'un lot by, balen trapline. Une riche société, une donnée des claques de ce figure. Après, une donnée coupée, une déviant bas là-haut. Une bien? À celle, une bien. Parce qu'il met yakin qui, non, comme ça qui diable business. C'est trop facile ça, lire tel cours aussi, mais pour bien? Non, battre-li, c'est pas trangler-li, plonger dans de l'eau, riche société, donner un coup de poing, là, c'est une bien. Mais, ça même, Imam al-Nawawi, rahimallah wa ta'ala, dit, lui seulement accompagne sa petite affaire simple. Qui vraiment sa dérakat là pour garantir moins de facilité dans sa zoo là, tu crois? Fini. Pas faire l'ibaye. Arrête de faire l'ibaye. Comment on dit tu crois là? Dans l'esprit, tu crois? Fini. Parce qu'il contredit, tu vois, cool. Comment nous hésiter? Allah, il connaît nous lesquels, il connaît nous l'intention. Comment nous dire, il m'a un peu exagéré là, 74 roupies, les 105 minutes, m'ont fait dérakat, fajar, tout ça fait une facile. Mais on finit brûlé. Pourtant, voilà la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala prend nous sage. Pareil comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, barakat de la case, risque. Jamais on peut manquer ce risque. Qui nous a fait la case? Il y a qui sura? Qui sura? Bakara. Mais c'est pas musulman lié? Il n'y a pas pour lié, il plaigne seulement. Ça qui est problème en nous. Ça veut dire, oui, Allah dit, il n'est pas pour faire. Mais c'est lui qui fait, il trouve conséquence là, il trouve résultat là. Lui. Mais vous pouvez pas en coller, quand il peut dire comme ça, on ne peut pas qu'on manger dans la case. On ne peut pas qu'on fait manger. Ah, mais vous ne pouvez pas en coller, vous ne pouvez pas zalouli, vous ne pouvez pas mettre, eh non, ça y va de la drogue. Non. Parce qu'il peut faire ça qui est chose qui Allah avec ce Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, dit avec yakin, ou pas peut faire. Surah Baqara. Nous lia. Allah subhanahu wa ta'ala les met barakat dans nos risques, les facilite nous pour nous gagner sa nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam fin de nous, c'est-à-dire c'est tellement dua qui nous besoin lire, c'est tellement azkar qui nous fait, salat, les garantit nous, sécurité avec Allah subhanahu wa ta'ala, dua, lève la main avec Allah, Allah jamais retourne sa lame la vide. Qui fait ou pas demander? Demander. Qui ne veut pas demander à Allah, Ya Rab, donne-moi l'argent. Facilite-moi. La fin du mois, on a besoin de l'argent. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme ça avec Allah? Ou Allah, on connaît, je suis bien cassé Allah. Mais on a la colle, demande la colle. Et il fout ça. Mais ça même qui Allah content là, ça. Ça même qui Allah content, qui a causé avec conviction. Pas juste dire Allah, demande Jannat, Firdaus, Allah, facilite-moi, Zou, Qiyamat. Non. Allah plique parce que ça c'est routine ça.
Allah donne-moi jannat, Allah donne-moi sauzou qiyamat, Allah sauzou. Non, vive avec Allah parce qu'Allah les trouve, les tannou, Allah les content qui vous dit. Oh Allah, je vous dis, 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 ça ne peut causer un peu trop chose. Comment on fait ça? Wakia. Non, yakin ça. Ban sahaba, tu crois comme ça. Ban sahaba, tu crois dans sa qualité, kudrat. Parce que dans la vie, ban sahaba, tu comme ça. Il rentre la case, quand il trouve, ce qui habite, God, monte dans la peau, mouton. Je prends la peau, mouton, là, quand il finit, je veux dire, plus li. Je t'enlise à la peau là, et là je te fais livrer un récipient. God 10 000, God 10 000 et God mantig. Bien petit sac ça, ben servir ça mantig. Là point zou, des jours après il fini. Une semaine, deux semaines mantig, peut sortir, pas peut connaître peut sortir. Qui ne fait rien ouvert, il guette, l'endemain il sec. Et à côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait ton ouvert? Qui fait ton ouvert ça? Si tu pas tu fais curieux, parce que curiosité est contredire tawakkul. Contredire, ben dire ça, yakin, ça depuis Allah ça. Quand il nous vient, il sec. Mais ça, ben miracle là, tu arrives dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu arrives dans l'époque, je t'y peux vivre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce ben mu'jizat, et je t'y pareil. Je t'y peux vivre dans sa atmosphère spirituelle qui kudrat Allah. L'hypasis nous dit, Allah capable de créer la terre, les cieux, Allah capable de toi quelque chose qui te demandait à ce terre-là. Tu n'as pas envie de demander, c'est toi qui, perdant, demander avec Allah. Demande Allah, dis Allah, soulage-nous dans ce moment difficile-là. Dis Allah, soulage-moi d'un mot, veut dire à la fin du mois. Oh Allah, facilite-moi. Oh Allah, donne-moi l'argent. Allah pour venir. Mais en même temps, il y a un test, Allah pour tester. Pas que Allah n'a pas envie de nous. Il peut donner nous, il n'a pas de nous, c'était là aussi. Il testait où, il y a qu'il y a qui niveau ça. Tawakkulla qui niveau ça? Les vrais ça ou bien les fausses ça? Parce que demain, vous présente devant Allah. Allah déjà connaît, yakin li. Allah connaît qui vous pouvez arriver demain, quand vous pouvez aller, jannat, jahannam, tout ça, Allah connaît. Mais c'est maintenant demain, quand vous pouvez débouter devant Allah, où qui peut causer? Qui vous fait faire? Qui vous pas faire? Est-ce qu'il vous tient à iman? Ou même vous pouvez dire, je ne pas tient à iman? Ou bien je tient à iman? Je ne pas tient à tawakkul? Tout ça, ben, qui chose là, Allah peut enregistrer pour vous. Ça veut dire, où besoin? Et na yakin de Allah, cause avec Allah. Dieu Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout. Allah pour faciliter. Dans test, connaît qui Allah testé et lui donné. Après chaque test, c'est un cadeau. Après chaque difficulté, c'est une facilité. Qui facilite ça? Chaque test, il vient avec un cadeau. Et chaque cadeau, il vient avec un test. Chaque cadeau, c'est une conséquence. Et on passe dans ce test-là, on gagne l'autre cadeau. Allah fait un test en haut, un récit. Ibrahim alayhi salam est testé. Allah nous donne lui. Un privilège extraordinaire. Chaque dimoun, Allah te scellé d'un privilège. Après ça, privilège-là, Allah a une implication. Quand l'on teste où, on passe, on gagne un titre, on gagne un grade, on gagne un cadeau. Mais seulement après ça, Allah reteste où, sauf avec, jusqu'à au mot, comme ça. Allah te scellé d'un. Après ça, ta clif, après ça, difficulté qui, dimoun peut passer là. Si vous connaissez, vivre là-dedans, Allah pour récompenser dans façon qui vous pas atteindre. D'une façon qui vous pas atteindre, Allah pour récompense. Mensonge pistas, il peut y avoir l'éducation, il peut y avoir rien, il y a un mensonge pistas. Il y en a 4 enfants, un ingénieur, un docteur, un travail ministre finance, un travail, c'est pas quoi de ça. Comment ça? Qui n'a le coquin? Non, mensonge pistas, lui. Comment il fait? Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, qui prend ça. Ça veut dire, Allah, il est testé où? Il fait lui, un mensonge pistas, il est persévéré. Il n'est pas assisé, il n'est pas lamenté, il n'est pas pensé mauvais. Ou Allah subhanahu wa ta'ala. La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Il ne faudrait pas nous mots qui nous pensent mauvais. Ou Allah. Tout le temps nous pensons bon. Ou Allah. Et ça, c'est l'opportunité. Ça. Comment on peut marcher ou on a un problème. Ou le taux est en panne. Ou tu faisais telle place, c'est un débarrasse. Qui vous fait? Pas faire, c'est ça problème. Là. Non, Inch'Allah, capable, il y a un khair pour moi là-dedans. Capable, moi, tu fais accident. Sans nos mentalités avec Allah. Comment arriver un problème?
pas oublier tes ça, ton intelligence, connais Allah peut-être c'est toi. Conserve ça, l'opportunité là pour toi. Non, Allah connaît qu'il est venu faire. Allah peut tester, puis n'a doute, Allah peut tester nous. Mais seulement nous besoin qu'on vive, le croyant, les besoin gagne tranquillité. Nous besoin gagne itminan. Dans dhikrullah et natumanina, dans pense Allah, dans faire salat, nous les qui est tranquille. Nous croyant, l'essence vient de 100 roupies, 300 roupies, nous les qui est pour besoin rester tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il nous besoin rester tranquille. Les zimouna bizlo, nous, hein? Nous parlons de ça de l'extrême, là, c'est-à-dire. Nous parlons de ça de l'extrême qui dit non, reste tranquille, haram, ça, khawarij. Non, non, nous ne pouvons pas dire ça là. Hein? Nous ne pouvons pas dire un mouton là. Hein? Attention, hein? Nous ne pouvons pas dire ça là. Hein? Attention, mal comprendre qui. Non, fais zikar, laisse bana coquin, rade ou la case, coquin, bana bisdo, reste tranquille. Non, non. Ça, et nous besoin réclame nos droits, nous besoin la guerre nos droits, parce qu'il droit les sacrés en islam. Droit à la vie, droit à sécurité, droit à travailler, droit à l'éducation. Droit qui la justice, ça c'est hack ça. Vous avez la guerre pour ça. La guerre dans façon qui sac l'époque et n'a son moyen, sac l'époque et n'a son réalité. Alors donc, on ne peut pas dire non, mais on prend moyen, mille ans de cela, on vient ici, pas moi aussi. Mais c'est sans qu'il nous rentre, nous perdons, nous répéter, que l'islam fait le métier, nous ne pas contredire les paramètres islamiques, mais ça ne le décide ça, nous ne pas cause ça. Là. Nous pas cause, nous en tant que croyants, Allah fait de nous un moyen pour nous vivre tranquille, garanti. Depuis Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Nous pour garantir une la vie meilleure, mais seulement faudrait ou faire bonne action et ou garde ou iman intact, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous tout inshallah. C'est lui qui il peut gagner sa faveur là, il connaît qui quand c'est cadeau Allah donné, pas l'argent qui sans qu'il chose ou capable de perdre 30 000, 40 000 ou assiser ou réfléchir, mais mathématique pas bon là. Mon pénat 40 000 roupies motivisé, il y a une défaite là. Qui fait mon pénat défaite, mon pénat plus. Dans les autres façons, l'argent peut venir. Comment hein? Dans les autres façons, faciliter la peut venir. Ça veut dire, nous tous là, frères en islam, nous besoin de ce yakin. Allah subhanahu wa ta'ala, nous créateurs, l'in prend nous sors, il envoie nous le sol à terre. Allah nous invite le sol à terre. Nous, Allah soit invité le sol à terre là. Il n'est pas pour quitter nous sommes en zébois. Il n'est pas pour quitter nous en nous-mêmes. Allah infini prend nous sors. Mais seulement Allah pas content de trouver nous assiser, lamenter. Alors donc nous faisons droit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous iman, augmente nous iman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous pratique din, retourne vers l'obéissance, pratique ou cinq fois namaz, pratique ou sunnat, mette en application. Ibadat Allah, c'est lui qui Allah nous donne sa cadeau, la tahajjud faire, c'est lui qui Allah fait nous donner cadeau faire, ishraq, lire Quran, faire dua, grammatique en tout, de sizda, demande Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pour honorer nous de façon qui nous pas atteindre, frères en islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.